Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester quelque chose pour faciliter l'application de son trade liner. J'ai trouvé ça à Primark il n'y a pas très longtemps, enfin il y a un petit moment quand j'étais à Primark. Ça m'a coûté que 2 € et ça, voilà, c'est comme ça. C'est un peu le même principe que ce qu'on nous a vendu pendant un moment, l'espèce de stylo liner à Sephora, mais il coûtait vraiment cher. Du coup, ça fait vraiment un moment que je veux faire cette vidéo et que je la repousse parce que je sais pas si ça va fonctionner, si ça va être raté ou pas. Et je me dis, bah en fait, si tu te maquilles que c'est raté, bah tu vas pas sortir comme ça. Donc là, clairement, le confinement tombait bien pour cette vidéo puisque même si c'est raté, je ne vais pas sortir, je vais rester chez moi. Donc si vous trouvez que j'ai une tête bizarre, c'est que je ne suis pas maquillée, j'ai simplement le teint de fée et j'ai mis un tout petit peu de mascara. Mais je suis pas du tout maquillée pour pouvoir tester ça avec vous. Donc ce petit kit, il m'a coûté 2 €. Ça s'appelle des tampons liner. Vous en avez, donc là j'imagine qu'il y a l'encre là-dedans. Et là vous avez les petits tampons de différentes tailles. Donc il y a des petits, des moyens et des grands. Je pense que je vais tester le grand pour que ça se voie bien à la caméra. Et puis voilà. Je pense que ça peut vraiment aider les filles qui veulent se faire un trade liner pour le début, pour s'entraîner. On verra si ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Merde. Alors je vais vous rapprocher un petit peu. Donc là j'ai le petit tampon et comment c'est censé se mettre. Ah donc je mets mon tampon sur mon petit embout. Il faut qu'il y ait de l'encre dessus. Ah, en fait il n'y a pas d'encre. C'est à moi de mettre le liner. Attendez. Oui c'est ça. En fait on ne vend que ça. C'est à moi de mettre mon liner. C'est abusé ça quand même. 2 €, remarquez, j'attendais pas grand chose. Bon bah c'est ce qu'on va faire. J'ai prévu mon petit liner, j'ai du liner gel. Je vais essayer d'abord avec ça. Ça se recouvre bien. Hop. Je pense qu'il faut pas traîner pour pas que ça sèche. Pas mal, mais je l'ai mal fait. De toute façon, j'ai envie de dire, ça peut pas se rater. Bon, c'est un peu raté parce que je l'ai superposé les deux l'un sur l'autre, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais faire l'autre. Après, je vais rattraper un petit peu tout ça. En fait, il faut vraiment bien le mettre sur le coin de l'œil. Ah voilà, là, il est très bien fait. Donc là, en fait, on a nos deux virgules. Bon, il y en a un qui est plus décalé que l'autre, j'ai l'impression. Et après, avec le liner, on rattrape. Là j'ai clairement deux trade liner complètement différents. Je préfère celui-ci. J'ai envie de tester le très grand pour voir ce que ça donne. De toute façon, on va sortir. Ah oui, ça se voit mieux par contre. Hé, on a quelque chose. J'ai essayé d'épaissir un peu ce côté-là. Voilà, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais même le trait le plus long, je le trouve très bien. Moi, il est adapté à la forme, enfin à ma grandeur des yeux. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon là, ça fait bizarre parce que j'ai pas le dessous de l'œil maquillé, j'ai pas de crayon ni de mascara, mais j'aime beaucoup. Après, évidemment, je pense qu'il faut retravailler un petit peu, vous voyez, à ce niveau-là. C'est un peu trop épais à mon goût, mais c'est pas mal.
Bah écoutez, du coup c'est fini pour ce petit test. Moi ce que j'en ai pensé, j'ai vraiment beaucoup aimé ces petits tampons liner. Je pense que ça peut vraiment aider pour les débutants dans les traits de liner. Vous avez juste ensuite à rejoindre le trait de votre paupière à votre petite virgule. Il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment facile pour les débutantes ou même les jours où on n'a pas envie de se prendre la tête. Moi personnellement, j'arrive à faire mes traits de liner très facilement. Je les fais depuis des années, donc en 2 minutes ils sont faits. Pour moi c'est quelque chose d'hyper rapide et d'hyper facile à faire. Donc je ne pense pas que j'utiliserai ce genre de choses tous les jours, mais pour quelqu'un qui débute, je vois, par exemple ma soeur, je pense quand tout sera fini le confinement, que je lui prêterai pour qu'elle s'entraîne. Franchement c'est vraiment vraiment pas mal. Ou le jour où vous n'êtes pas sûr de vous et tout, bah écoutez, enfin ça fait clairement le job. Évidemment j'ai pas remaquillé tout mon visage et puis j'ai pas redessiné, comme je vous disais là c'est un peu trop épais, mais avec un coton-tige ça partirait. J'adore le résultat. Du coup c'est hyper hyper symétrique, hyper hyper précis, et j'aime beaucoup le résultat, et je m'en resservirai, c'est sûr, pas tous les jours dans la vie de tous les jours, mais dans les make-up où je veux que ce soit vraiment parfait pour une photo ou autre, bah c'est clairement ce que je vais utiliser. J'aime beaucoup, et pour 2€ chez Primark, franchement c'est le top. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ce petit test produit vous avez aimé, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde. T'abonner, faut cliquer, cliquer, va partager, aimer.